Je suis rendue où? 13? Oh mon Dieu! Je viens juste de passer la moitié du calendrier. Que ça va être un long vidéo. Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement de ce côté-là. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou au calendrier de l'Avent en particulier. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. Vous avez besoin de quelques instants et d'une adresse courriel et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, dernier calendrier de l'Avent de la saison, celui de la baie. L'abbé qui vendait un calendrier 25 jours de couleur à 249 $ canadiens, mais pour une valeur à l'intérieur de 1600 $. Donc 6,4 fois le coût payé. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça nous réserve. Il y aurait 48 produits à l'intérieur, donc si on regarde le ratio pour le coût, chaque produit aura un coût d'environ 5 $ pour un retour de 33 $ en valeur. On aurait soins pour la peau, cosmétiques, parfums et aussi outils de cosmétiques, donc probablement un masseur quelconque pour le visage. 48 produits, on va s'amuser. Il est vraiment gigantesque. Et c'est clairement celui qui pèse le plus lourd de tous les calendriers que j'ai ouverts, je crois, depuis les 3 ans où j'ouvre des calendriers de l'Avent. Vous pouvez aller voir dans le fond mes autres vidéos, qui sont aussi agréables. Je vais essayer de l'ouvrir sans tout faire tomber. Et voici, super cute avec les belles portes dorées. On a ici « Préparez-vous à découvrir des produits de beauté, de soins de la peau surprise pendant 25 jours. Cette saison, nous célébrons la beauté sous toutes ses formes avec une plus grande variété de marques, de produits, de formats courants que jamais auparavant. En effet, vous trouverez à l'intérieur nos 49 meilleurs choix, parfums de luxe, maquillage digne des tapis rouges et essentiels de soins de 33 marques privées. » De 33 marques prisées et non privées. Ainsi, une case pourra contenir un nouveau masque chouchou alors qu'une autre vous dévoilera un sérum primé. Laissez-nous vous émerveiller par chaque trouvaille quotidienne. La tentation sera forte d'ouvrir une autre case avant la fin de la journée. Saurez-vous y résister? Non, pas du tout, parce que j'ai l'intention d'ouvrir les 25 cases one go. Donc attention, si vous voulez pas de spoilers, c'est pas la bonne vidéo pour vous. Ne sent pas très fort pour un calendrier qui contient du parfum, mais il est vraiment très lourd. Juste le tenir comme ça, une petite minute en avant de moi, j'ai les bras genre qui commencent déjà à trembler. D'ici la fin de la vidéo, ça va être méchant workout. En plus, je suis comme dans mon sweatsuit de Noël. Super cute avec, on dirait, le foulard de l'abbé Dutisson dessus. On va essayer de trouver les premières portes. Bonne épaisseur, fait qu'on doit avoir des produits quand même assez gros. Porte numéro 1, super grosse. On commence avec deux produits à l'intérieur, puis on a des petits froufrous gold. Nice! Je pense que j'aurais pas le choix de déposer le calendrier sur le côté. Je pourrais pas le tenir toute la vidéo. De Clinique, on a ici un soin yeux anti-poche anti-cerne. Super cute! Cette formule crème gel nourrissante éclaircit les cernes et élimine les poches tout en favorisant la tenue du maquillage sur les yeux d'une valeur de 50 $. Je ne sais pas si la crème est rose à l'intérieur ou si c'est juste le petit pot qui est rose. La crème aussi est d'une belle petite couleur rose. Ça sent le bonbon à la fraise. Deuxième item de Clinique dans la même petite boîte, un masque hydratant de nuit. Ce masque facial crémeux et sans huile nourrit et hydrate en profondeur pendant votre sommeil. Laisse la peau douce et éclatante d'une valeur de 55 $. Donc déjà dans notre première case, on a pour 105 $ de soins pour le corps.
Ce luxueux rituel de nuit aide à hydrater profondément la peau et à restaurer sa barrière d'hydratation protectrice. Nice! Super beau produit, clairement de grandeur régulière. C'est juste la première case, je suis déjà impressionnée. Numéro 2, beaucoup plus petite, mais quand même très longue. On a aussi deux produits à l'intérieur. Est-ce que 48, ça fait... Non, pas 48. Combien qu'il y a de produits? Ça fait quasiment toujours deux produits par case. On a de Lunar Nectar, un sérum pour les cils et sourcils. Les ingrédients agissent en synergie pour hydrater les racines des cils et des sourcils, entretient et renforce les cils naturels d'une valeur de 95 $. Et je suis pas mal certaine qu'on l'a déjà reçu dans Ipsy ou dans TerraBox. Mais c'est bizarre de trouver des items, des boîtes, mais dans un calendrier de l'Avent de la baie. On dirait que ça va pas ensemble comme concept. De Bobbi Brown, un mascara regard intense, couleur noire. Ce mascara crémeux pigmenté de kohl crée du volume cil par cil. Le résultat, des cils plus épais, plus longs et plus audacieux, d'une valeur de 46 $ pour seulement 6 ml. On va voir s'il est cute au moins. Ouh, fancy! Ça sent le mascara. Pas très fort, mais quand même. Numéro 3, super grosse boîte. On a aussi deux produits à l'intérieur, mais un peu plus petit que la boîte le laissait présager, par contre. The Three Ship, on a ici un masque pour les yeux. Ben, en fait, c'est un duo quand même, mais juste un masque pour les yeux. Qui aide à dégonfler, éclaircir et hydrater visiblement la délicate zone sous les yeux. Et c'est un masque biodégradable d'une valeur d'à peu près 1,50 $, étant donné que ça se vend pas en un exemplaire. Normalement, c'est 40 $ pour 30 fois le duo. C'est juste comme un échantillon, finalement. Et de Tree Ship, on a Dewdrop, ici un sérum à l'acide hyaluronique, aux champignons et à la vitamine C. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Très cute. Ce sérum aide à rajeunir et hydrater la peau. La peau paraît plus lumineuse, plus en forme, les ridules sont lissées. Ils sont vraiment cute leur emballage. Urgh. Ça ressemble à du mucus par exemple. Sans odeur. Est-ce que j'ai mentionné d'une valeur de 49 $ pour le sérum? Je pense que non. 4. Une grande porte, mais plus mince. Comme ça, ici. Grande porte, plus mince. On a à l'intérieur un seul produit, mais un produit Armani. Probablement notre premier parfum. Oui, exactement. Le parfum Code de Giorgio Armani en vaporisateur. Super slick. Fragrance ambrée boisée dessine une masculinité tout en séduction et en sensibilité. Parfait reflet de l'homme moderne. D'une valeur de 40 $. Ça sent super bon. T'as comme un calendrier, dans le fond, avec beaucoup de produits pour femmes et quelques produits pour hommes à l'intérieur, soit à donner ou, pourquoi pas, à garder. Je peux être un homme moderne si j'ai envie. 5. Plus petit, deux petits échantillons de NARS ici à l'intérieur. J'ai l'impression que je les avais reçus dans le calendrier de la baie, pas celui de l'année passée parce qu'il était sold out, fait que j'ai pas pu l'acheter. Mais celui de l'année d'avant, on avait les deux mêmes produits NARS, un mascara et un blush, me semble. Petit mascara ici, Climax. Volume et intensité en étant super léger et flexible. Et c'est une grandeur de voyage à 17 $. De même, le petit fard à joues ici de NARS, la couleur que tout le monde connaît, Orgasm. Pour une touche de couleur naturelle et légère qui est en fait rose pêche et on a une grandeur de voyage encore une fois à 23 $. Fait que pour notre petit kit, c'est quand même 40 $ de valeur. OK, numéro 6, très grande porte ici.
On a plusieurs produits à l'intérieur, encore une fois, mais c'est sûr qu'avec 48 produits, ils n'ont pas le choix de pacter leur boîte. Et c'est fun, là! J'aime vraiment ça comme concept de mettre comme une bunch de produits dans chacune des boîtes. Ben, peut-être pas chacune, mais plusieurs des boîtes. De Origin, on a ici Peace of Mind, apaisement immédiat de l'aromathérapie. Lorsque vous sentez que votre tête est sur le point d'exploser, massez ces agents hypnotiques signés Origin sur la nuque, les tempes et les lobes d'oreilles. Respirez profondément. En quelques minutes, le stress, la tension et le poids du monde s'évanouissent comme par enchantement. Évitez le contour des yeux. Fait que si vous avez les yeux stressés, c'est pas ça qu'il faut utiliser. D'une valeur de 28 $ pour notre petit pot d'apaisement ici. Très cute, un peu vert menthe. C'est-tu à la menthe? Il y a de la menthe effectivement à l'intérieur, ainsi que du basilic. Ça sent la menthe. De Jack Black, on a ici une lotion nettoyante multi-usage. Multi-usage que normalement, dans le fond, j'associe avec homme parce que j'ai fait deux calendriers pour homme, puis presque tous les items à l'intérieur étaient comme multi-usage. Nettoyant visage, cheveux, corps, ongles d'orteil. Ils sont vraiment forts sur le multi-usage. Lotion nettoyante pour le corps, le visage et les cheveux. Nettoyant polyvalent qui produit une mousse riche pour éliminer la saleté et la sueur, sans priver la peau et les cheveux de l'hydratation essentielle, permettant de rester en bonne santé. Et c'est une grandeur échantillon à peu près à 5 $, étant donné que c'est seulement un 30 ml. La grandeur régulière de 98 ml est 30 $. Un autre petit ajout intéressant au bas de Noël de votre conjoint, si c'est le cas. Ou pourquoi pas, commençons nous aussi à utiliser des nettoyants pour tout. J'ai oublié, je t'ai rendu où? Cette petite boîte ici avec deux petits items de Clarin à l'intérieur de... Yes, deux. Ça brassait tellement, j'avais l'impression qu'il y en avait peut-être plusieurs. Ben, il y en a plusieurs, il y en a deux. Mais je veux dire, plus que deux. Je me comprends. Ouh, on a ici un embellisseur de lèvres au beurre de karité. Couleur transparent. Moi, il me semble que j'aurais pris une autre couleur. Plus qu'un gloss, un baume à lèvres tout en un fini brillant pour des lèvres repulpées. Et des pommettes radieuses. On a une grandeur échantillon à environ 11 $. Tu vois, j'ai l'impression, mettons, que si ça avait été framboise ou fraise ou quoi que ce soit, ça aurait fait la description pour lèvres et pour joues. Mais transparent, pourquoi tu t'en mettrais sur les joues? Quelque chose que j'ai pas compris. De Clarin, on a un soin pour les yeux concentré zone regard lift redensifiant. La solution complète pour les yeux dotée de l'expertise lift Clarin, spécifiquement conçue pour redensifier et sublimer la zone regard. Je sais pas c'est quoi la zone regard exactement. Mais tu sais, la grandeur du tube par rapport à la boîte, il y a de l'exagération là. On a ici un 7 ml qui est une grandeur échantillon approximativement à 47 $, parce que la grandeur régulière de 15 ml est à 100 $. Yes! Ils donnent pas leur lift repulpant pour la zone du regard. J'aime tellement ça le mot repulpant ou repulpé. Il y a rebondi aussi que j'apprécie. Numéro 8! Oh! On a ici, je crois, un retour! De Estée Lauder, crème lift régénérante jeunesse et crème contour des yeux. Lift régénérante jeunesse de Renuvive. Me semble qu'on l'avait eu aussi dans le calendrier de l'abbé de il y a 2 ans. Échantillon gratuit ne peut être vendu. Donc, la crème contour des yeux. Voyez la peau autour de vos yeux s'épanouir grâce à cette crème douce et rafraîchissante. Avec des extraits de gentiane, une plante indigène de la chaîne des montagnes de l'Himalaya. Et notre petit 5 ml
serait d'une valeur de 77 $ parce que le 15 ml, qui est juste trois fois plus grand, est 230 $. Ça coûte cher aller chercher des plantes indigènes de la chaîne des montagnes de l'Himalaya. Et celui-ci, 7 ml, fait qu'un 2 ml de plus, crème Lift régénérante, crème soyeuse et indulgente qui régénère à l'infini l'éclat vital de la jeunesse. Et ce serait 60 $ pour notre 7 ml, considérant que le 50 ml est 428 $. Je suis étonnée que ce soit des échantillons gratuits. Me semble que tu en ramasses 3-4, tu te remplis dans le fond un pot complet, puis là, tu as gagné 400 $. 9 ressemble vraiment beaucoup à 6. Oh! De Elizabeth Arden, une compagnie aussi très dispendieuse qui vaut la peine d'être seule dans sa boîte. Sérum perfecteur raffermissant. Associe des céramides, des peptides et de la squalane pour protéger la barrière cutanée et réduire les rides, ridules et pores. Favorise un teint éclatant et équilibré. Et voici, on a des petites gélules qui, j'ai comme l'impression, défient la gravité parce que ici c'est vide. Mais probablement que le pot était de l'autre côté ou je ne sais quoi. Et voilà! Le pot a de l'air rempli, hein, mais c'est parce que le casque est vide. Tu utilises une des petites pochettes, tu squeezes le liquide et tu appliques. Je trouve pas ça super le fun à utiliser. On dirait tout le temps, dans le fond, qu'il y a du liquide qui reste dans la petite poche, puis là, t'en mets partout sur tes doigts, pas sur ceux que tu veux utiliser le liquide dessus. Il me semble qu'il y a des pertes. Ça me semble peu efficace. Pour 84 $ pour notre 14 ml de fluide. Pas un mot que j'apprécie, fluide. 10! On avance, on avance! Oh! On a ici deux items dans une très grande boîte. De Algéniste, on a du collagène liquide, un sérum au collagène vegan qui aide à restaurer le rebond naturel et la résilience de la peau tout en diminuant l'apparence des rides et ridules. Collagène qui est quand même assez difficile, ça a l'air, sur la peau. Fait que peut-être que c'est pour ça, dans le fond, qu'ils vont souvent avec du collagène vegan. Il est comme comique, il est comme un petit mouton avec des petites bulles à l'intérieur. Et notre 6,2 ml est d'une valeur de 34 $. Pas en tout dans la même gamme de produits, on a ici de Skyler, un parfum Vanilla Sky. Odeur du réconfort dans un parfum gourmand, de riches notes chaudes de vanille se mélangent à de délicieuses notes de cappuccino pour une valeur de 40,50 $. Ça nous fait quand même une boîte à 80 $. Sent super bon, comme la vanille épicée. Je pense que je l'ai déjà reçu, ce parfum-là, dans, j'aurais tendance à dire Ipsy. Mon Dieu, l'abbé commence à ressembler à Ipsy. Ça va pas bien. 11, super grosse boîte. Mon Dieu, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a 4 produits à l'intérieur. On en a 3 petits et un plus gros. Et ce sont tous des produits Lancôme, donc on a un petit quadrio de produits Lancôme dans notre grosse boîte ici. Premièrement, une lotion tonique éclaircissante et revitalisante aux grands extraits de rose. Qu'est-ce qu'un grand extrait de rose? Léger mais riche, elle est rapidement absorbée pour délivrer ses propriétés revitalisantes à la peau et aider à stimuler le processus de renouvellement cutané. C'est un échantillon d'une valeur de 54 $ parce que la grandeur régulière, qui est 3 fois plus grande, est 162 $. Ça coûte cher, les extraits de grande rose. Pardon, les grands extraits de rose. Pas sûr comment ça fonctionne. De Lancôme, une crème riche absolue aux grands extraits de rose, lui aussi. Enrichi de grands extraits de rose, ce nouveau soin participe à la régénération en seulement 3 semaines. Mais avec seulement 5 ml, je pense qu'on ne fera pas 3 semaines. D'une valeur estimée de 27 $ parce que le 60 ml est 315 $. Vraiment, les produits sont pas donnés. Échantillon gratuit ne peut être vendu.
Un tout petit mascara ici, Définicil de Lancôme. Toujours, notre meilleur vendeur contient des polymères soigneusement sélectionnés qui recouvrent chacun des cils pour une définition inégalée. À peu près 13 $ pour notre 2 ml parce que le 6 ml est 43 $. Vente unitaire interdite. Mais il n'était pas tout seul. Il était avec 3 autres produits. Fait que c'est pas de l'unitaire. Et qu'est-ce qu'on a ici de Idole Aura, une eau de parfum lumineuse. Je peux pas m'en empêcher, c'est tout marqué, ne peut être vendu séparément. Une chance, il était avec d'autres produits. Parfum féminin qui ouvre la voie vers l'avenir avec des ingrédients issus de sources durables, comme la rose de Damasque et la vanille Bourbon. On a un échantillon à 5 ml pour 21 $, parce que la grandeur régulière, qui est seulement 2 fois plus grande, et 42 $. Super, super cute. Je pense qu'on a un hélicoptère. Super léger, féminin. Je sens pas trop ni la rose ni la vanille. C'est vraiment très difficile à définir comme odeur. La bouteille est vraiment super, super cute. Mais il me semble que je me répète. Pour notre petit quadrio ici de produits Lancôme, on a une valeur estimée de 120 $ à peu près. Numéro 12, grande boîte avec 3 items à l'intérieur, dont un que je reconnais de Yves Saint Laurent. Ici, on a Pure Shot, un concentré d'œil Reboot, infusé de fleurs de cactus et de caféine, illumine délicatement le contour de l'œil et hydrate. Estompe les cernes, les poches et les ridules. Notre 5 ml est d'une valeur approximative de 27 $. Ils ont changé la bouteille. Avant, elle était transparente. On pouvait voir que le liquide était en 2 phases. Je le sais dans le fond parce que ça faisait partie du calendrier de l'Avent de l'abbé de il y a 2 ans. De Mugler, on a une eau de parfum Angel Elixir. Ce parfum boisé gourmand et floral célèbre avec une touche captivante et audacieuse. Oh, il est pas noir, il est bleu. Je sais pas si vous êtes capable de le voir. Vraiment cool. Vanille, bois et épices d'une valeur de 46 $. Principalement boisé, je dirais. Je sais pas si c'est notre combienième parfum, mais il me semble qu'on a plusieurs. Au moins 4 à date. Retour à Yves Saint Laurent. On a ici un mascara volume extrême. Lash Clash. Mascara volume, ajout couleur et pigment, 200% le volume avec tenue anti-tache. La massive brosse recouvre chaque cil, peut aller de 1 à 5 passages pour le volume désiré. 5 passages? J'hésite à en faire 2 parce que j'ai tout le temps l'impression dans le fond que mes cils sont toutes poignées ensemble après 2. Wow! Effectivement, super grosse brosse, surtout à comparer aux petits tubes. Sans odeur, nice! D'une valeur estimée de seulement 9 $ pour un 2 ml tout de même, le 9 ml étant 39 $. J'ai comme baissé un peu, je vais essayer de me remonter. Et pendant que je me remontais, j'ai complètement oublié où ce qu'on était rendu. Numéro 13! Oh, de MAC, on a 2 produits ici! Un rouge à lèvres, couleur Hug Me, donc... pas embrasse. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Ça semble être un peu brun, mais un peu bourgogne aussi. Couleur Hug Me, qui est un blush, donc plus sur le rosé que ça m'apparaissait. Infusé de graines de framboise et d'huile d'olive extra vierge biologique, qui offre une couleur transparente et brillante avec un fini brillant longue tenue d'une valeur de 33 $. Sent un petit brin la vanille. Pour le temps des fêtes, je m'attendais à une couleur plus rouge. Et une brune fixante. Cette brume permet à votre maquillage de rester en place jusqu'à 16 heures, tandis que les antioxydants protègent contre la pollution environnementale et la lumière bleue d'une valeur de 25 $. Je vais juste aller le sentir, voir. Ça sent l'alcool. Non, ça sent frais et floral. Super intéressant. Je suis rendue où? 13. Oh mon Dieu!
Je viens juste de passer la moitié du calendrier. Que ça va être un long vidéo. 14. Encore une fois, on semble avoir 4 produits à l'intérieur de la boîte. Est-ce que ce sont... Oui, ce sont tous des Lise Wattier. Premièrement, on a l'eau de toilette neige, le 10 millilitres. C'est le fun, la boîte est comme embossée dans le fond avec des petits flocons de neige. Petit givré perlescent. Qu'est-ce que ça dit? Parfait pour une retouche parfumée toute la journée. Note de jacinthe, muguet, rose, jasmin, magnolia, fleur d'oranger et santal. Ça sent comme un bouquet de fleurs. Je pourrais pas identifier exactement quelle fleur, mais il y a beaucoup de fleurs là-dedans. D'une valeur de 36 $ pour notre format de voyage. De Lise Wattier, on a ici Sublimescence, un sérum vitamine C haute radiance. Sincèrement, on dirait que le petit tube est vide. Il y a seulement 3 millilitres à l'intérieur, donc il doit avoir à peu près ça de produit dedans. Un puissant sérum illuminateur qui saura révéler un teint radieux et uniforme. Et cette petite ampoule ici se vend 9 $. C'est même pas, dans le fond, moi qui ai décidé ou qui ai ajusté ou fait une règle de 4. C'est vraiment, ça se vend 9 $, ce petit tube de 3 millilitres. Le sérum anti-âge haute concentration de Sublimescence, on a encore 3 millilitres. Sérum, la plus haute concentration de thé du Labrador, l'antioxydant le plus puissant pour renverser les signes de l'âge. Ce format-là se vend pas tout seul, mais serait à peu près 10 $ si on considère que le 28 millilitres est 93 $. Tu as le temps de l'utiliser 3 millilitres, peut-être une petite semaine pour voir dans le fond si ça t'intéresse de l'entrer dans ta routine. Et de Lise Wattier, on a un mascara vegan avec quinoa noir. Mascara aux propriétés fortifiantes et revitalisantes, enrichi de quinoa noir, vitamine E et minéraux. Une grandeur échantillon à peu près 9 $. La grandeur régulière étant 31 $. Ça sent la réglisse noire. Je pense que c'est le cas pour la plupart des mascaras vegan. On n'a pas fait la passe sur notre petite boîte Lise Wattier. Je pense qu'ils l'ont passé quand même assez tôt dans le calendrier. 15, ici en haut. Oh, avec un seul petit pot à l'intérieur de Sahajan, une crème riche, nourrissante, mélange ayurvédique. Je pense que c'est des champignons ayurvédiques. Fait au Canada. Crème nutritive, luxueuse, riche, qui apaise en profondeur, hydrate et insuffle nouvelle vie à votre peau. On a une grandeur échantillon de 20 millilitres pour 28 $ si on considère que la grandeur régulière de 50 millilitres est 69 $. Ouh, il est comme couleur café crème. Ça sent floral. Particulier d'avoir si peu dans une boîte, un tout petit pot échantillon. Considérant qu'il y a 48, 49 items, là, je ne me rappelle plus. 16, grosse boîte, bien lourde. Oh, on a trois, non, deux items à l'intérieur, comme ça ici. De Face Theory, on a un sérum Génénalcalm. Sérum pro avec 3% de rétinol pour régénérer la peau. Contient un mélange exclusif de plantes actives avec rétinoïdes pour accélérer le renouvellement de la peau. Cible les ridules, les rides, les cicatrices d'acné et l'hyperpigmentation. Comme ça, ici, d'une valeur de 55 $ pour un 30 millilitres. Il y a de l'air opaque et crémeux. De Salvatore Ferragamo. On a ici Signorina, une eau de parfum, marque mondiale du monde du luxe et du parfum les plus renommés aujourd'hui. Odeur de liberté, de féminité et de fraternité. On a une grandeur échantillon de 5 ml à seulement 12 $, considérant qu'on a eu des parfums beaucoup plus dispendieux. Là, c'est cute, il est comme tout seul dans un coin de sa boîte. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. Ça sent le parfum floral, pas particulièrement la fraternité ou la patriotisme ou la liberté, là. On va le remettre dans sa grosse boîte.
en sécurité. 17. Oh! On a juste un item. Un petit parfum ici. Oh! Oscar de la Renta. Je comprends pourquoi il est tout seul. Avec un nom de même. Parfum Bella Blanca. L'essence de la femme Oscar de la Renta. Élégante, féminine et confiance. Odeur de jasmin, de fleurs d'oranger, de muguet, de santal et de musc. On a un échantillon 5 ml d'une valeur potentielle de 10 $, considérant que le 50 ml était 94 $. Même chose, j'ai comme pas envie de le briser. Il est vraiment cute. J'aimerais bien le sentir. Il me semble qu'on en avait un autre, dans le fond, qui était comme un bouquet de fleurs. Celui-ci, c'est un bouquet de fleurs avec un peu de vanille, on dirait, au travers. Finissent toutes par se ressembler. 18. Tout petit cube, mais super bien rempli. Ouh, Valentino! Eau de parfum! Born in Roma, intense. Il nous gâte avec les grosses marques. C'est sûr qu'avec un price tag de 1 600 $ à l'intérieur du calendrier, fallait qu'il aille chercher cet argent-là quelque part. Oh! Vraiment super cool avec un dégradé de mauve, embossé, triangle. D'une valeur de 45 $, odeur de vanille et jasmin pour ceux qui vivent intensément et passionnément avec extravagance. Une célébration de la sophistication et de la passion. On sent très bien la vanille et épicé aussi. Je suis pas très bonne pour décrire les parfums malheureusement, mais il y en a vraiment pour tous les goûts à l'intérieur du calendrier. Et après ça, tu as vraiment une belle étagère avec plein de petits parfums super cute. 19. Il est tellement plein, je peux même pas mettre mon doigt dans la boîte pour la retirer. On a ici de Patchologie, j'assume des patchs, patch en gel régénération nocturne pour les yeux au rétinol, peptide et extrait d'arnica. La période de 22 h à minuit la plus régénératrice pour l'épiderme. Contient une puissante dose de rétinol et de peptide anti-âge, bon pour la peau, d'une valeur de 75 $. Est-ce que tu les mets le soir? Yes! Tu les mets le soir, tu massages le sérum qu'il y a dessus, tu dors, tu te réveilles, rafraîchi. Moi, quand ça travaille de nuit, là, 30 paires. On va le recoincer dans sa boîte 19. Il nous en reste 5, gang. Oui, je sais pas si vous avez vu mes yeux, je regardais l'heure sur mon cadran. Numéro 20. Oh, un petit duo ici. De Blissy, un masque pour dormir. Magnifiquement conçu, un incontournable du sommeil réparateur fabriqué à la main en soie d'une valeur de 70 $. J'ai quasiment peur d'y toucher. Je vais aller y toucher pareil. Je ne pourrais pas distinguer que c'est de la soie versus du satin. C'est ça. C'est pas fait pour moi, dans le fond, les choses luxueuses. The Egyptian... On revient... The Egyptian Magic. Encore une fois. The Egyptian Magic. On a une crème multi-usage pour la peau. Pour la peau, n'importe quelle peau. Combinaison d'ingrédients efficaces et de processus unique. Pour une crème somptueuse aux propriétés hydratantes et nourrissantes. Et on a une grandeur échantillon de 30 ml pour 16 $. J'en ai déjà reçu, dans le fond, des 5 ml dans d'autres échantillons. Dans d'autres calendriers de l'Avent, fait que je suis contente d'en avoir un peu plus. 5 ml, t'as pas vraiment le temps, dans le fond, de tester pour une crème tout usage. 5 ml pour le contour de l'œil, OK, mais pour tout ça, prends pas loin, là. Je suis prête à graber la boîte. 21. Je la grabe même pas avec ce bois, avec ce main-là. Ouh! On a ici 3 items.
Pas tous de l'Occitane, mais on en a deux de l'Occitane et un de Marc Jacob. De l'Occitane, on a une huile de douche nettoyante et adoucissante avec de l'huile d'amande à l'intérieur. Adoucissez et nettoyez la peau avec ce parfum emblématique de l'amande d'une valeur de 13 $ pour un 75 ml. Et ici, on a aussi à l'amande des mains à croquer, soins mains et ongles de l'Occitane encore pour une valeur de 17 $. Donc 30 $ de produit l'Occitane. J'avais déjà regardé le calendrier l'Occitane, je pense, il y a 2 ans. Puis c'était vraiment des petits 5-7 millilitres, des échantillons, pour ainsi dire, sans valeur à l'intérieur complet de leur calendrier. Je pense qu'il n'y avait pas une grandeur régulière. Je l'ai jamais refaite. De Marc Jacob, on a ici le parfum Daisy Dream. Donc, rêve de marguerite. Oh, ça fait un peu jeune, mettons. Contient des notes de mûre, de pamplemousse, de poire, léger et aéré, pour une valeur de 45 $. C'est vrai! Très léger. J'aime beaucoup parce que le pamplemousse ressort et c'est une odeur que j'apprécie beaucoup. Je suis pas convaincue par l'emballage, mais l'odeur, elle, j'approuve. J'espère que j'aurai pas d'autres parfums parce que là, celui-là vient de prendre toute la place. 21, ça va bien. Jusqu'à date, pas déçu des dernières boîtes. Numéro 22. Oh, deux toutes petites crèmes. Tous les deux de Kiehl. De grandeur échantillon, on a un soin crème contour de l'œil hydratant pour le contour des yeux qui hydrate la peau sèche sous les yeux, éclaircit et dégonfle les cernes. D'une valeur estimée de 23 $ parce que la grandeur régulière est 49 $ pour le 15 ml. Sans odeur, petite couleur beurre d'avocat. Il y a tellement de choses décrites dessus, là, c'est fou! Soin anti-âge quotidien au rétinol micro-dosé. Le sérum pour le visage formulé pour lui offrir une micro-dose quotidienne de rétinol pur pour des résultats anti-âge visibles et un minimum d'inconfort, de rougeur, de sécheresse ou de desquamation. C'est ça que ça fait le rétinol lorsque plus ou moins bien utilisé, ou selon la sensibilité de ta peau, ça crée de l'inconfort, des rougeurs, de la sécheresse et de la desquamation. Desquamation, c'est pas le fun. D'une valeur estimée de 30 $ pour notre 10 ml, parce que la grandeur régulière à 30 ml est 88 $. 10 ml pour le contour de l'œil, c'est quand même bien. T'as le temps de l'essayer en masse. Mais, pas une boîte que j'aurais aimé recevoir vers la fin comme ça, 22. Celle-là, je l'aurais mis plus tôt avec ces deux petits échantillons. 23, super grosse. Ouh, on a plusieurs petites choses à l'intérieur. J'aime vraiment pas ça recevoir des trucs comme ça. Ça fait échantillon gratuit que tu reçois quand tu rentres dans le magasin. De Laura Mercier, on a reçu ici un fard à paupières en bâton. Fard à paupières multitâche qui offre à la fois une application facile et une couleur haute définition et longue durée d'une valeur de 44 $. Je sais pas où est la couleur, par exemple. 23,55 AC. Mais ça semble être un genre de petit brun caramel. Sinon, on a aussi reçu un blush fard à joues en crème léger qui offre une couleur naturelle modulable aux joues avec le pouvoir d'un soin hydratant, et notre 3 ml serait approximativement 8 $. On a quelle couleur? Provence, qui semble être un vieux rose, comme ça ici. Oups! Je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé. Et on a de l'Abbé du Son, 3 chouchous en satin, qui sont meilleurs, dans le fond, pour les cheveux. Ça empêche la casse. Pas capable de trouver son à quel prix. 22 et 23, décevant. On va aller à 24 au plus vite. Oh, on a ici, de Cartier. Nous avons l'eau de parfum La Panthère.
Note de fraise et de rhubarbe avec une touche de rose et une base de cuir. Pour compléter un charme mystérieux, la grandeur 10 ml serait 25 $. Loin d'être notre parfum le plus cher. La panthère, comme ça, ici, avec un petit bout arrondi. Je vais le faire de ce côté-ci, voir si je suis capable. Super frais, vraiment fraise rhubarbe. Étonnant. OK, 24, pas décevant. 25, dernière boîte, dernière chance de nous impressionner. Et nous avons un duo ici de Ferréo. C'est lourd en tout cas. On a deux Ferréo ici, des masques revitalisants et nourrissants au ginseng et à l'huile d'olive. Créée par des experts coréens en soins de la peau, cette formule a été enrichie en ginseng rajeunissant et en huile d'olive hydratante pour laisser la peau souple et régénérée, d'une valeur de 16 $ pour cet petit masque. Et on a ici un masque intelligent thermoactif. Comme ça, c'est ça l'outil qui était mentionné. Appareil de soins intelligent mini. Cet appareil vous permet d'améliorer tous vos soins et masques préférés, booster les effets et débloquer un teint affiné et éclatant, pulsation et thérapie par la lumière, d'une valeur... C'est pas tellement en sifflant d'habitude, c'est comme prapapampam, de 269 $. Qui ont vraiment gardé le gros item pour la journée 25. Mot de la fin, des items en veux-tu, en v'là. Il y en avait plusieurs grandeurs régulières, quelques petits échantillons, mais au moins, dans le fond, il y en avait comme 4-5 dans chaque boîte. Fait que t'étais pas comme une journée, un petit mini échantillon, ce qui est un peu dommage. Ce que j'ai vu, par exemple, dans L'Occitane, Yves Rocher, des choses comme ça, t'as souvent des tout petits échantillons de crème pour une journée, t'es comme... Beaucoup, beaucoup de parfums, fait qu'il faut aimer les odeurs pour aimer le calendrier. Super bonne valeur, encore une fois, pour l'abbé. Ça termine la saison des calendriers sur une note très, très haute. Il est vendu sold out, dans le fond, à chaque année. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est sûr qu'il est quasiment 300 $. Mais... T'en as vraiment beaucoup à l'intérieur. C'est un cadeau de luxe. Et ça te permet d'essayer beaucoup, beaucoup de marques de luxe aussi. Laissez-moi un commentaire sur mes choix de 4 calendriers de l'année. Si vous avez des choses que vous aimeriez voir, par exemple, pour l'année prochaine, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à la chaîne. Plus j'ai d'abonnés, plus on peut interagir ensemble. À 500 abonnés, je peux commencer dans le fond à vous informer, par exemple, si une vidéo peut pas sortir le vendredi ou si j'ai une question particulière comme quel calendrier de l'Avent aimeriez-vous que je fasse cette année, ben, je pourrais la poser directement à la communauté. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, c'est toujours super apprécié. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!